Bonsoir, alors c'est moi la première qui parle. Bonsoir à toutes et à tous. On va essayer de vous regarder, voilà, à droite, à gauche. On a répété un peu, c'était pas très probant, donc ne nous en veuillez pas. Merci de votre présence aux unes et aux autres. Merci à Margot Chancerelle, que je ne vois pas, mais qui doit être, qui est tout au fond, évidemment. Directrice générale adjointe de ce théâtre, merci à son équipe de nous recevoir ici ce soir dans le décor d'une pièce, qui est la pièce de Lorraine de Sagazan, Le silence, d'après Antonioni. Nous profitons du premier jour de relâche de la distribution pour occuper cet espace bifrontal. Donc il va falloir que vous nous expliquiez, Récruf, ce qu'est le bifrontal. Donc on est un peu chez... Ce soir, on est un peu chez eux. On est un peu chez Marina Hand, Julie Sicard, Stéphane Varupen, Noam Morgenstern et Baptiste Chabotti. On a même un peu squatté leur loge tout à l'heure avant d'arriver. Et j'espère pour vous qu'on va être plus bavard. Ouais. Sinon. Oui, on avait prévu de faire de suivre un peu le même dispositif qui est donc texte su mais tu. Et on s'est dit que finalement on allait peut-être parler un peu ce soir. Donc Éric Ruff, on est un peu chez vous aussi, puisque je rappelle à toutes fins utiles, vous êtes administrateur général de la Comédie Française depuis presque 10 ans. Le Théâtre du Vieux Colombier, l'une des 3 salles constitutives de l'écosystème du français, avec la salle Richelieu et le studio théâtre. Vous êtes également comédien, vous jouez actuellement en alternance salle Richelieu, retrouvez Don Alphonse dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo sous la direction de votre camarade Denis Podalydès, avec votre autre camarade, entre autres Elsa Lepoivre. Vous êtes enfin metteur en scène, scénographe, et c'est peut-être de ce côté-ci de votre cerveau que nous allons convoquer ce soir, avec vous, Alexandre Chemetov. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cet endroit qui n'est pas chez moi, mais bienvenue, je suis... Je ne suis pas du tout chez moi. Alors, vous êtes architecte, urbaniste et paysagiste. Vous avez en commun ce don d'ubiquité. Tous les deux, agir en paysagiste, ce sont vos mots, Alexandre Chemetov, est une manière contemporaine d'être architecte et urbaniste, une manière de faire projet avec l'environnement, une manière d'être à la fois urbain et rural. Et j'aime beaucoup la fin, ras des villes et ras des champs. Vous et votre équipe, vous décrivez comme une troupe qui fonctionne et qui envisage les projets comme des mises en scène, où chacun, chacune aurait un rôle à jouer. Parmi vos réalisations, il en est beaucoup et il serait assez absurde d'en faire une liste, parce que forcément, il est impossible d'être exhaustif, mais il y a... beaucoup de logements un peu partout en France, à Paris, à Villeurbanne. Il y a, vous avez repensé la place d'Enfer Rochereau. Ce sont des travaux qui vont commencer dans un an. Voilà, c'est le moment de l'annoncer aux Parisiennes et aux Parisiens. Après la République, il s'attaque à d'Enfer. Il n'y a pas beaucoup de travaux à Paris. Mais il a également œuvré à Nancy, à Nantes, à Nice, avec une forêt urbaine. On vous doit notamment l'aménagement à Nantes de l'île de Nantes. Je suis très rapide, je ne vais pas dans la nuance. Vous avez également conçu un très grand espace qui s'appelle la Galerie du Champ de Mars à Angoulême. Je m'arrête en plein vol. Et puis, voilà, je redémarre avec une question. Pour vous, Éric Ruff, s'il y a cours, faut-il un jardin? C'est donc le titre sibyllin de cette soirée, qui fait référence, je vais vous aider un tout petit peu, puis après je vais vous demander de vous expliquer, à l'un des thèmes J'ai l'art de choisir des titres que personne ne comprend. Donc, ça m'oblige à des explications. J'ai fini par comprendre, donc je suis sûre que, voilà, que vous allez savoir vous expliquer. En tout cas, c'est une thématique qui fait écho à l'une des thématiques proposées au programme du bac Option Théâtre cette année. Oui, peut-être qu'il faut rappeler ça, les lundis au Vieux Co. Sont des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser l'ensemble des publics. Et en même temps, c'est des thèmes qui sont au programme de l'éducation nationale.
Et on essaye à chaque fois de se dire qu'est-ce que nous, on peut apporter pour augmenter un petit peu le champ d'expérimentation et que les élèves qui doivent plancher dessus aient peut-être des lueurs un petit peu périphériques sur tout ça. Et donc le thème était scène-salle, le rapport scène-salle. On connaît tous évidemment ça en tant que scénographe. On peut en parler, mais j'avais eu le bonheur de discuter un jour avec Alexandre Chemetov et j'avais beaucoup aimé la manière dont il parlait d'urbanisme. Donc je me suis demandé, est-ce qu'on peut passer, est-ce que la scénographie et l'urbanisme ont des choses en commun? Est-ce qu'un lointain au théâtre est une perspective dans une ville? Est-ce qu'il y a des conventions dans l'utilisation d'une ville, comme il y a des conventions de compréhension chez un spectateur par rapport à un plateau? Qu'est-ce que c'est que le bifrontal? Qu'est-ce que ça induit? Est-ce qu'il y a des contraintes, etc. Donc, et s'il y a une cour, faut-il un jardin? Si on bétonne, est-ce qu'il faut de l'autre côté avoir des arbres? Donc voilà, toute la chose tournait autour de ça. Et vous me posiez la question, Béline, du bifrontal, parce que bien évidemment, cour, jardin, vous savez ce que c'est historiquement. Si je suis acteur et que je vous regarde, mon moyen mnémotechnique, c'est de dire mon cœur est à cour. Si je suis à votre place, j'écris Jésus-Christ, comme ça, dans Jésus, j'ai jardin, et dans Christ, j'ai cour. Mais là, votre jardin est l'inverse de votre cour et inversement. Donc déjà, on est un petit peu paumé. Déjà, ce rapport-là commence à se... Et j'ai une petite anecdote là-dessus qui est intéressante. C'est ce qu'on va tenter de faire toute la soirée. N'hésitez pas à nous rappeler à cette équité. Lorsque j'ai travaillé sur la Phèdre mise en scène par Patrice Chéreau, c'était un bifrontal. Et à un moment des répétitions, Patrice Chéreau nous a dit « Prenez une feuille A4 et dessinez les deux gradins et dessinez l'ensemble des mouvements que votre personnage fait dans la pièce. Si jamais vous vous apercevez qu'il y a une partie du gradin pour laquelle vous n'êtes pas d'une façon privilégiée, je changerai votre parcours. » Donc il avait une sorte de démocratisation du bifrontal en exigeant qu'à chaque fois, au cours de la pièce, n'importe quelle partie du gradin puisse avoir une vue privilégiée sur l'acteur. Donc si jamais on change un petit peu de place de temps en temps, c'est pour essayer de convenir à cette règle-là. Voilà. Alors on change, mais pas trop non plus, puisque le monsieur au fond de la salle est en train de filmer cette soirée. Oui. Je suis obligée de vous le rappeler, Eric. Ça fait partie de mon rôle. Voilà, cette soirée est filmée, elle est captée, et la captation sera rediffusée dans le cadre de cette programmation numérique qui soutient, enfin qui accompagne les bacheliers dans leurs études et dans l'étude pour le bac français. Cette soirée donc est captée et rediffusée sur les médias de la Comédie française à partir du 7 mars. Donc il faut qu'on arrive à vous voir. C'est-à-dire que si vous êtes trop éloigné de nous, ou si je m'éloigne trop, ou si vous décidez d'aller... Voilà, c'est la contradiction entre le public et la caméra. On fera comme on peut. On va être obligé de faire un choix, monsieur. Alors, cet espace bifrontal, donc c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où nous sommes. Il y a un plateau. Il est nécessairement... les gradins sont nécessairement montants, c'est-à-dire que le spectateur, et plus on monte, plus il est au-dessus de la scène. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Ça se passe toujours comme ça, oui. C'est-à-dire que le plateau, généralement, est le plus bas espace par rapport au gradin, ce qui change tout par rapport à un théâtre à l'italienne, où les places de grande catégorie sont généralement à l'orchestre. Mais à l'orchestre, on ne voit pas tout. Par exemple, un scénographe qui travaille sur le plateau, tous les gens de l'orchestre ne voient pas le travail que vous faites sur le plateau. Et puis, ça induit autre chose. C'est-à-dire que quand vous parlez, il y a des gens qui sont plus bas que vous. Vous êtes sur un piédestal. Quelquefois, vous avez même des cothurnes. Donc, ça induit un rapport au public qui est totalement différent. Lorsque vous êtes en bifrontal, ce qui est assez magnifique, c'est que déjà, on n'a pas... Là, si je me dis, je suis face à vous, je suis totalement de dos là, et que généralement, quand on est en frontal, on fait toujours des trois quarts d'eau, c'est-à-dire qu'on se met comme ça pour que le son vienne. Donc on a toujours un jeu un petit peu contraint, comme ça, qui fait mal au dos au bout d'un moment. Le bifrontal est très honnête là-dessus. Quand vous êtes face, vous êtes de dos. Quand vous êtes dos, vous êtes de face. Donc vous n'avez plus à y penser. Mais surtout, les gens vous regardent tracer votre ligne et tracer quelque chose de l'ordre du théâtre ou du destin du personnage qui est vu
absolument autrement. Mmh. Donc c'est une première chose où la scénographie que vous faites en bifrontal ou en frontal change absolument tout. Ce serait presque impossible de penser un spectacle en bifrontal pour le faire ensuite en frontal, parce qu'il faudrait changer toute la pensée du spectacle. Vous deviez dire quelque chose, mais j'ai envie de poser une question à Alexandre. Ah, mais je vous en prie. Cette histoire du regard du public, du regard, la position depuis laquelle on regarde, elle est importante pour le scénographe, elle est importante au théâtre, Eric vient de l'expliquer. Pour un architecte urbaniste, paysagiste, elle est tout aussi cruciale, Alexandre Chemetov. Oui, la question du point de vue, vous m'avez raconté que au théâtre, il y avait les courriers et les jardiniers. Donc, ceux qui servent la scène côté cour et ceux qui la servent côté jardin. Absolument. Et donc, moi, je n'ai cessé de passer d'un côté à l'autre. Et vous m'avez dit que, en fait, ce passage du côté cour au côté jardin était compliqué et qu'il y avait des sortes de spécialisations. Oui. C'était que les gens se spécialisaient, qu'il y avait ceux qui se sentaient mieux du côté cour et ceux qui se sentaient mieux du côté jardin, et que passer d'un côté à l'autre était un problème. Alors ici, dans le bifrontal, il n'y a plus vraiment de différence, non. Et donc on peut aller librement. Et c'est aussi un peu comme ça que moi j'ai imaginé aborder la question de la ville, c'est-à-dire à la fois côté cour et côté jardin, c'est-à-dire en se disant que on pouvait, et ce qui était intéressant, c'était de l'observer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et y compris en mélangeant les points de vue. Et c'est ça que je trouve tout à fait passionnant, et c'est pour ça que je pensais que cette conversation était bienvenue. Parce qu'il y a des permanents allers-retours, c'est ce qu'on va faire ce soir, entre le travail et le point de vue d'un metteur en scène, d'un scénographe, et celui d'un architecte et d'un urbaniste. Mmh. Est-ce que c'est le moment de la lecture? Oui. C'était la lecture inaugurale. Absolument. Parce que c'est une lecture qui pose bien. Vous allez lire un texte d'un ami d'Alexandre Chemetov. Jean-Christophe Bailly. Oui. Absolument, avec lequel vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. Oui, vous verrez, on a fait notamment quand on s'est rencontrés en faisant un voyage à Saint-Étienne, dont on a tiré un récit qui a été publié et qui s'appelle « Changement à vue » et qui parle à la fois du théâtre et de la ville. Ben voilà, un terme... Un changement à vue. Un terme mitoyen. Un changement à vue au théâtre, c'est un changement qui est donné à voir. On ne ferme pas le rideau et de temps en temps, ou bien les éléments marchent mécaniquement sans qu'on ait regard sur les techniciens, mais de temps en temps, on voit les techniciens changer le décor, ce qui généralement est un plus, une plus-value formidable pour le public. Il y a ce qu'on appelle à l'opéra, pour ceux qui y sont habitués, ce qu'on appelle des précipités. Au théâtre, si un changement derrière un rideau excède une minute trente, il y a immédiatement une inquiétude qui pointe chez le public, se demandant s'il y a un problème technique, parce qu'il n'a pas l'habitude d'attendre autant. À l'opéra, on sait que les lumières se rallument un petit peu, on peut fouiller dans son sac, mais par contre, on ne peut pas aller aux toilettes, parce qu'on sait que le temps de changement va être dans les 5 minutes. Donc le changement à vue, c'est vraiment, ça nous sert à faire des précipités au théâtre, parce que s'il est long, le changement, en fait, ça devient du jeu et de la dramaturgie, est une chose magnifique à voir. Le texte, c'est dans la phrase urbaine, donc de Jean-Christophe Bailly, ça s'appelle « L'appel aux coulisses ». Des couloirs, des escaliers, des sas, des portes, le côté cour et le côté jardin, comme le bâbord et le tribord d'un cargo, des bureaux, des loges, la salle de maquillage, une machine à café avec des chaises autour, des caisses, un espace indéterminé, une passerelle, des cintres, des placards, un accessoire qui traîne, des réseaux de câbles, des machinistes embusqués qui regardent en clandestin un match à la télévision, des extincteurs, des veilleuses, la sortie des artistes, la cafétéria ou le bar, une machine à laver, la réserve des costumes, les coulisses, le théâtre. Bâtiment qui a pour finalité, comme on sait, la représentation de spectacles dans un espace spécifique, composé d'une scène et d'une salle. Semble, lorsqu'on y travaille, vivre et tourner autour de cet espace comme un labyrinthe qui finirait toujours par y aboutir, mais qui s'attarderait.
mais qui lancerait autour de la scène les espaces d'une autre déambulation autonome. Si la vie, toute la vie du théâtre, doit à la fin se condenser en un seul point de l'espace, dans un mouvement de main, dans un mouvement de lèvres, tout se passe pourtant, pour qu'il puisse y avoir enfin un beau soir la magie de cette focalisation absolue, comme un dédale tressé autour d'elle et pour elle, mais qui vit de sa propre vie, y compris pendant les représentations où tout est autour de la scène comme une veille silencieuse, attentive, pleine de gestes furtifs, de chuchotements. Représentation, on le sait, est un mot au sens feuilleté qui court du théâtre au discours philosophique et esthétique où il concerne, et notamment pour l'architecture, ce que l'on pourrait appeler une représentation déposée. Or, il me semble que pour caractériser la ville, le théâtre, au sens où je viens d'en parler comme d'un bâtiment complexe et vivant, est une bonne ressource. En effet, la ville, censée être par excellence le lieu de la représentation architecturale, davantage qu'à une scène proprement dite, correspond en fait à quelque chose qui serait de l'ordre de l'effectivité du théâtre, un infini de coulisses, un dispositif autour de la représentation. Ce sont là ces coulisses de pierre entre lesquelles on passe, reconnues par Benjamin, mais par-delà la métaphore apparaît une identité dynamique fondamentale. Tandis que tout ce qui a trait à la représentation se situe de soi-même au sein des schèmes immobiles ou cadrés, ce qui a trait à l'en-deçà ou à l'au-delà de la représentation se structure d'emblée sur des suites cinématiques liées à la marche plutôt qu'à l'œil. On passe entre des coulisses. On glisse entre ombre et lumière, on est dans du dilaté ou du resserré, dans de l'étendu. La scène, ou ce qui en serait l'équivalent dans l'espace urbain, n'est qu'une stase, une station au sein d'un déplacement complexe de circulation, de service, de raccourci, de passage. Ce sera, et c'est le plus évident de tous les exemples, une place sur laquelle on débouche. Le Campo de Sienne ou la place Stanislas à Nancy, où ce sera encore une façade qui a voulu figer un instant sur elle tout le mouvement de la rue. Et souvent, les façades des théâtres classiques sont ainsi, qui font scène au-devant d'elles-mêmes, comme l'Odéon à Paris, le théâtre Gralin à Nantes, le Grand Théâtre de Bordeaux, etc. Dans la scénographie urbaine, la scène, ou ce qui fait représentation, est comme un arrêt sur image, comme une césure dans un procès labyrinthique du tissu. La marche s'immobilise. C'est comme si le corps prenait de lui-même conscience de faire partie d'un dispositif optique qui l'intègre et qui remplace pour un temps le système portatif, mobile et scandé, le système dynamique de tout ce qui l'entoure. La ville est bel et bien un espace pour la représentation, mais à l'intérieur duquel les lieux de la représentation proprement dite sont rares et surtout disséminés au sein d'un immense réseau de voies et de services, où le théâtre n'intervient plus que de façon discrète et presque improvisée. Si la rue quitte la place, comme une sortie quitte la scène, le faubourg, à son tour, quitte la ville. Système de coulisses, centrifuges, infinis, gigantesques filets qui ouvrent ses mailles, ici ou là, sur quelques espaces quasi scéniques. Ainsi apparaît la ville, tendue entre ce qui la convoque autour de ses centres et ce qui la trame en réseau étoilé. Voilà à peu près l'équation sur lesquels on se propose de réfléchir ce soir. Vous avez parlé de la place Stanislas, oui, à Nancy. Que vous connaissez enfin, bien. Oui, et, non, parce que, et de cette idée des coulisses. Et justement, ce qui est frappant avec la place Stanislas, c'est qu'elle compose elle-même une sorte d'espace scénique. On entre sur la place Stanislas, le son des voix se fait plus bas, les gens parlent moins fort, la lumière est moins forte, mm-hmm. On entre véritablement dans une sorte de scène, mais qui se prolonge par la place Carrière jusqu'au palais du gouverneur, suspendu sur ses colonnes et derrière lequel se profilent les frondaisons d'un jardin. Et donc, il y a à la fois cette scène, cette perspective, et au fond de la perspective, un lointain. Et ce lointain, c'est justement le paysage du jardin. Mmh. Et quand on se retourne et qu'on regarde vers la place, de l'autre côté, en contre-champ, en quelque sorte, de cette première vision,
Il y a la mairie, le palais, avec la même colonnade suspendue, mais pas de jardin, un trompe-l'œil qui dessine un paysage imaginaire. Une fresque ? Une fresque, ouais, peinte sur le fond de l'escalier qui permet de monter au salon de l'impératrice, depuis laquelle on découvre la ville. Mais quand on monte au premier étage, empruntant cet escalier et découvrant cette fresque, on peut aller jusqu'au bureau du maire de Nancy, dans lequel parfois brûle un feu dans la cheminée. Et là, de là, on regarde la vue. Et on voit les limites de la place Stanislas couronnées par les deux plus grandes barres de HLM de France, construites en 1962 par Bernard Zerfus et qui regroupaient 1510 logements, pratiquement tous identiques les uns aux autres, et qui est, comme le dit Jean-Christophe Bailly, une sorte de, plus qu'un faubourg, là, un éloignement, une coulisse, mais lointaine, qui renvoie à ce lieu central. Et il se trouve qu'on transforme ces bâtiments. Vous êtes en train de les transformer. On est en train de les transformer. Ces bâtiments d'habitation. Les bâtiments d'habitation, en les recoupant. Et donc, on va changer ce couronnement et ce profil de la ville dans ce dialogue à la fois avec la centralité, donc la ville de Stanislas, et d'Emmanuel Herré, puisque c'est Emmanuel Herré, l'architecte, qui a composé la place Stanislas et la place Carrière, et en même temps rétablissant un dialogue qui n'est pas seulement le dialogue lointain entre la place et les deux bâtiments qui portent des noms d'arbres, puisque l'un s'appelle le cèdre bleu et l'autre s'appelle le tilleul argenté, mais on les découpe en six bâtiments et on s'intéresse au logement, c'est-à-dire au confort de chacun, à l'appartement comme celui dans lequel nous nous trouvons ici, discutant, vous on sur la conversation, moi bourgeois. Au salon. Et comment est-ce qu'on découpe deux bâtiments en six ? On enlève une partie de ces bâtiments, on les supprime, donc on diminue le nombre de logements et on rend ces logements plus confortables. Notamment en permettant que l'ascenseur desserve chaque étage, que la cuisine soit attenante au salon. Et pourquoi fait-on ça ? Pourquoi ne les a-t-on pas complètement démolis ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Et qu'à avoir avec l'idée qu'on travaille à partir de ce qu'on trouve, de ce qui existe, de ce qui est déjà là, d'une certaine façon, et qu'il y a une sorte d'impératif à considérer que dans la ville, il y a aussi un précipité d'histoire et qu'on peut imaginer la sédimentation de cette histoire. C'est-à-dire à la fois le changement et en même temps une façon de se dire, même dans un espace court, puisque 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie, mais c'est hier. Des musiques que les gens écoutent toujours sur leur tourne-disque. Et en même temps, c'est un bâtiment qui ne rend plus tout à fait son office. Et donc, comment s'intéresse-t-on à cette à faire que on arrive à rapprocher ces deux parties de la ville si lointaines, à faire que la ville permette de rassembler des gens qui ne se ressemblent pas vraiment, et de donner à partir de cette sorte de sédimentation la possibilité au fond d'une à la fois d'une inscription dans le paysage lointain, mais aussi la question plus intime du logement comme étant pratiquement la partie la plus privée d'un espace public, c'est-à-dire que on comprend bien que on n'a pas. Alors ça revient à la question du point de vue que vous souleviez tout à l'heure. On est à la fois dans la vue lointaine de ce bâtiment et dans la transformation de la silhouette et des horizons, et en même temps dans un travail sur l'espace le plus domestique. Et le fait que quand on est dans ces logements,
Le programme, c'est de faire que ces logements anciens deviennent aussi confortables que des logements neufs et peut-être plus grands, avec d'autres qualités, et notamment une qualité tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a la vue. C'est-à-dire, quand on se tient dans ces appartements, on voit à ses pieds la ville, la place Stanislas, la vallée de la Meurthe, le clocher comme de... une bonne place au théâtre, quoi. Oui, le clocher de Saint-Nicolas-de-Port et à l'horizon, la ligne bleue des Vosges. Ce que vous dites de la sédimentation... Ça, c'est vraiment une chose qui me parle, notamment à la Comédie-Française, parce que une des missions de la Comédie-Française est de représenter le répertoire. C'est une de ses missions. Et la sédimentation qui est faite par le nombre de propositions, de textes qui ont été travaillés, toujours les mêmes, quand vous montez un Scapin, par exemple, ou quand vous remontez un Cyrano de Bergerac, vous savez que les gens dans le public ont vu quelquefois 3, 4 proposition sur cette pièce-là, et qu'il y a une sédimentation entre la connaissance de là ou de la metteuse en scène ou du metteur en scène et le fantasme fabriqué de représentation en représentation, quel souvenir, quelle sédimentation poétique a dans l'esprit des gens la pièce que vous allez monter. Et on ne peut pas faire autrement que de le savoir, cette chose-là. Et donc il y a aussi une sédimentation historique sur ce genre de titre. Évidemment que lorsqu'on fait une pièce contemporaine, la Reine de Sagazan invente le silence. Peut-être que si le silence est repris 6 fois à la Comédie-Française, au bout d'un moment, on aura des références. Mais quand vous montez un Scapin, il y a cette référence-là. Ce qui pose le problème de, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on travaille avec ce qui existe ? Est-ce que la contrainte est fertile ? Ou est-ce qu'il y a un réflexe de raser ou de ne pas voir ce qui a été fait avant ? Vous n'avez pas la tentation de l'effacement. Ouais, l'un absolument. Et l'autre, vous êtes... Peut-être l'avez-vous, la tentation de l'effacement, mais vous êtes tenu à composer avec l'existant. Oui, oui, non seulement à composer, mais à considérer que l'existant est une ressource. Mmh. Même tout à fait littéralement, c'est-à-dire que les parties qu'on déconstruit, comme on dit, c'est-à-dire qu'on démolit, mais qu'on dépose... Vous parlez toujours de Nancy. De Nancy, ouais. Du haut du Dièvre, enfin du cèdre bleu, du ciel argenté, on récupère les matériaux pour que les utiliser à la réparation. C'est-à-dire qu'on se sert vraiment littéralement des bâtiments comme une ressource. Et le fait que le chantier, c'est-à-dire les gens démontent les garde-corps, les fenêtres, les lavabos, les éviers, etc., les baignoires, pour les reposer dans les nouveaux logements. Mais en faisant ça, c'est des gens qui sont formés à faire ça et qui habitent le quartier. Il y a aussi une sorte d'école du chantier, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui fait que c'est pas seulement une ressource d'un point de vue métaphorique ou avec l'idée qu'on utilise ce qui est déjà là, mais aussi véritablement une façon de se servir de l'existant comme une ressource pour fabriquer la ville. Enfin, dans une discussion qu'on a eue, puisque vous jouez en ce moment cette pièce mise en scène par Denis Podalydès, vous m'aviez dit que Denis Podalydès faisait partie de ces metteurs en scène qui lisaient tout, voyaient tout, regardaient absolument tout ce qui avait été fait auparavant pour ensuite décider de ce qu'ils allaient faire. Donc fait vraiment avec l'existant. Il y a 2 types de réflexes. Vous êtes ce type de metteur en scène-là ? Faire semblant qu'il n'y a rien eu avant lorsqu'on travaille à la Comédie Française. Faites la vie de Galilée, de Brecht. Intellectuellement, il faut aller chercher assez loin. Mais effectivement, il y a non, deux lui, réflexes il compulse, possibles. Il compulse absolument Il y a tout. Deux réflexes possibles. Effectivement, Denis, j'ai toujours remarqué cette chose-là, à partir du moment où il choisit un titre ou si on lui fait une commande, il va tout voir, tout lire et essayer de regarder toutes les vidéos qui existent parce que cette sédimentation l'intéresse. Et c'est une ressource, et pas du tout un frein. Quelquefois, on rencontre des gens qui veulent absolument ne rien voir pour ne pas être troublés par des références qui seraient trop autoritaires. Voilà. Et ce qui est un vrai réflexe, une référence autoritaire ? Quelquefois, vous voyez Chéreau et Coltès. Chéreau a tellement bien monté Coltès qu'il a donné l'impression à tout le monde que personne ne pouvait le monter, mis à part lui. Et on observe souvent qu'ensuite, il faut une décennie ou un petit peu plus pour que des jeunes metteuses et metteurs en scène s'emparent de cet auteur-là sans la référence
et finalement propose des versions tout à fait possibles. Donc très souvent, quand on me dit « mais pourquoi vous ne montez pas un tel auteur ?», je dis parce que ben, cet auteur-là, il a besoin de ce sas silencieux où ceux qui ont donné une version tellement belle qu'ils ont donné le sentiment à tout le monde qu'on ne pouvait le monter que comme ça. Donc il y a ce passage-là qui est effectivement important. Alors, vous êtes, pardon, l'un et l'autre à l'écoute de l'existant, des solutions, vous parliez de solutions que vous propose l'existant. Est-ce que vous êtes sensible à ce qu'on pourrait appeler les conventions ? Il y a dans vos métiers respectifs des conventions, la cuisine à côté du salon ou au bout du couloir, selon les époques et les milieux. Est-ce que cela fait partie de votre équation, vos équations respectives et dans quelle mesure et... C'est-à-dire que pour revenir sur l'idée de l'existence, c'est-à-dire de se dire que face à un site nouveau, ou même qu'on connaît assez bien, comme la place d'Enfer Rochereau, que je connaissais avant de m'en occuper comme... Ça commence quand, les travaux du Juste après... Je suis un peu inquiète. Une question très intéressante. Juste après les Jeux Olympiques, voilà. Juste après les Jeux Olympiques. Ah, ben voilà, plaisir pour la rive gauche. Ça sera à la fin de l'année 24 et ouais. Tout le courant de l'année 25. Mais voilà, un lieu que j'avais parcouru, que je connaissais. Et en fait, je me dis, j'ai à apprendre de cet endroit. C'est-à-dire, non seulement je vais y apporter quelque chose, qui peut être un réflexe, au fond, j'apporte ce que je sais, mais j'apprends aussi de ce lieu. C'est-à-dire, je l'épuise d'une certaine façon, dans le sens où je vais chercher là tout ce que je n'avais même pas vu, et que ce lieu peut m'apprendre. Je m'intéresse à tout, au fait que la rue Daguerre s'appelait la rue de la Pépinière, et que parce qu'il y avait une pépinière occupée maintenant par la mairie du 14e, qui était une pépinière spécialisée dans les plantes exotiques. Enfin, bref, ça n'a aucune importance, et puis en même temps, ça m'intéresse, quoi. Et puis, si vous voulez, vous faites une chose que vous ne faites pas d'habitude, vous vous plantez au pied du lion et vous découvrez adossé au socle du lion et vous découvrez le panorama de la ville que personne ne voit puisqu'il est au milieu de la circulation. Et là, vous voyez la patte d'oie formée par l'avenue d'Enfer Rochereau, le boulevard Raspail et le boulevard Arago et vous vous dites, il faut donner à voir ce lieu-là. Il faut que plus de monde, finalement, plus de gens viennent là et voient ça. Et non seulement Pascal Augier, dans le film de Jacques Rivette, qui faisait le tour du Lion avec sa mobilette, mais du monde qui se tient sur le cercle qu'on commence à dessiner. Et à ce moment-là, on se rend compte que Claude-Nicolas Ledoux, qui a dessiné les deux pavillons qui abrite l'un l'entrée des catacombes et l'autre le musée de la Libération, s'était inscrit dans une sorte de rond-point circulaire qui avait été dessiné à la convergence de toutes ces avenues. Et donc on ne fait jamais que revisiter d'une certaine façon, c'est ce que vous disiez à propos de... Alors faut-il tout voir et tout savoir ? Sans doute, je trouve très intéressant l'idée qu'on a besoin d'apprendre des lieux. Et que la convention, pour reprendre votre questionnement, tient aussi à l'observation assez fine qu'on peut faire. C'est-à-dire, quel matériau, par exemple, pour le centre de la place, est-ce que ça doit être plutôt du granit ou du grès ? Et est-ce que le grès a été utilisé avant la Révolution ? Peut-être c'est plus intéressant de trouver des pavés de grès, mais en même temps de trouver sur la périphérie un vocabulaire qui fait plus explicitement référence au vocabulaire haussmannien. Ou est-ce qu'on peut reconnaître comme étant parisien, c'est-à-dire la bordure, une certaine façon de traiter les trottoirs, et quelle liberté on se donne, c'est-à-dire dans le dessin d'un mobilier ou l'utilisation qui peut être faite dans un square plus libre d'un mobilier. Et donc, la convention peut être aussi revisitée, réexplorée, réordonnée, et comme un jeu
au fond, avec ces références historiques qui ne nous enferment pas en vérité, mais qui nous permettent d'imaginer comment on peut dessiner un espace public d'aujourd'hui, compris avec des citations qui feront qu'on comprendra un certain nombre de conventions et qu'en même temps, elles seront réordonnées différemment. C'est-à-dire qu'elles seront... Et c'est ça que je trouve tout à fait passionnant. On peut le faire en choisissant une forme de fenêtre ou en travaillant à l'intérieur du logement ou dans une perspective ou dans... que sais-je encore. Mais on est souvent en train de manipuler des questions de ce genre. Et elles ne sont pas une façon de nous ramener vers le passé, mais au contraire, une manière d'être terriblement présent, au fond. Mais avec en se disant que, comme si ce qu'on pouvait comprendre du passé et de ce que le passé a déposé dans la forme de la vie et nous a légué d'une certaine façon, comme si c'était une série d'histoires présentes antérieures, comme un temps qui n'existe pas, qui serait ce présent antérieur, et qu'on viendrait rechercher, parce que chacune des aménagements, chaque trace qu'on voit, chaque arbre planté, chaque bordure tracée, chaque immeuble construit, est un immeuble, un arbre contemporain d'une autre époque. Et pas seulement appartenant au passé. Et si on commence à regarder la sédimentation historique comme une série d'actions menées par des gens contemporains d'une autre époque, alors à ce moment-là, on voit les choses d'une façon radicalement différente. Et on se dit qu'on n'est pas en dialogue avec le passé, mais qu'on est en dialogue avec ce qui, dans le passé, qui est aussi incertain que le futur, nous vous trouvez. Oui. Nous c'est une façon de voir les choses. Nous comment dire ça, nous nourrit vraiment dans notre actualité, quoi. C'est-à-dire nous concerne totalement, et c'est ce que vous dites à propos de la relecture ou de pièces du répertoire, comme on dit. J'accueillais ce matin des élèves de 3e qui venaient faire un stage en entreprise, je crois que ça s'appelle, pendant une semaine, et je leur parlais justement des classiques dits Larousse, et j'essayais de leur dire qu'il ne fallait pas juste penser ces œuvres-là comme étant une somme à lire parce que c'est au programme, mais que ces œuvres-là recelaient en elles une équation toujours pas résolue, toujours vivante, et qu'effectivement le poète d'il y a 2 siècles nous parle de quelque chose qui nous touche encore, et que c'est ce lièvre-là qui gît à l'intérieur de cette œuvre qu'il faut aller attraper, ce qui n'est pas toujours raconté dans ce sens-là, mais que c'est vraiment ça qui fait qu'on revient et qu'on remet sur le métier, qu'on remet sur le métier, effectivement, ces œuvres-là, parce qu'elles nous décrivent et qu'on n'a pas tant avancé que ça, ou qu'on est toujours dans les mêmes problématiques. Ça me fait rêver ce que vous dites aussi d'une architecture qui peut se rêver et se concevoir avec des éléments, j'allais dire presque figés, le ciel ne l'étant pas, la météo ne l'étant pas, ça doit changer beaucoup, mais le problème que nous avons, nous, c'est qu'on crée des œuvres et des scénographies dans un lieu, et puis de temps en temps, on a la chance que le spectacle parte en tournée. Et alors là, le spectacle, il est concassé, bougé dans des lieux extrêmement différents. La salle Richelieu, par exemple, je dis tout le temps aux scénographes qui viennent, faites attention à ne pas faire des maquettes en carton-plume noir, comme si vous alliez monter un spectacle à Nanterre ou à la MC 93, donc dans un lieu d'une neutralité recherchée. Parce que là, il y a les deux atlantes, il y a les feuilles d'acanthe, il y a absolument tout ça, et que l'œil du spectateur embarque à chaque fois dans la lecture qu'il fait de ce qu'on lui propose, embarque le rond des balcons, embarque le velours, embarque cette chose-là. Et que quand on fait un truc exprès pour une salle, on a du mal à la déplacer ensuite. Et je me disais que aussi sur l'existant,
Ce qu'il y a de magnifique dans notre métier, c'est que ce que j'appelle la boîte à chaussures, c'est-à-dire la salle Richelieu, vous avez 10 mètres 32 à peu près d'ouverture, puis vous avez 2 mètres de coulisses à chaque fois, vous avez à peu près 14 mètres de fond. Donc c'est toujours la même dimension, et dans cette dimension-là, il faut faire tous les déserts et toutes les chambres d'étudiants, mais toujours exactement dans le même volume. Il y a une salle des maquettes à la Comédie-Française, aux ateliers de construction, on garde des maquettes depuis pratiquement 100 ans maintenant, et c'est très intéressant parce que c'est toujours mis dans la même boîte, c'est toujours à peu près les mêmes proportions. On fait des maquettes au 33e, parce qu'au 33e, la salle Richelieu sort par les portes des loges et des bureaux. Si on était au 25e, ça ne passerait pas, donc c'est induit par l'ouverture des portes pratiquement. Et de temps en temps, quand vous vous baladez, que vous regardez toutes les maquettes les unes après les autres, vous avez vraiment l'impression que les murs n'ont pas du tout la même matérialité. Vous avez l'impression que certains murs ont été reculés de 4 mètres, qu'il y a cette possibilité-là. Et je trouve que c'est toujours un jeu magnifique, qu'à l'intérieur d'une même boîte, il faut raconter tout ça, et que ce volume-là peut être quand même assez élastique. Je crois que c'est François Regnault qui disait dans Le Théâtre et la mer, c'était, je crois, des notes sur le soulier de satin, qui disait que pour lui, c'est une chose inventée, mais que les théâtres parisiens étaient des vaisseaux, au sens marin du terme, qui étaient remontés trop loin dans la Seine et qui s'étaient échoués. Et qui étaient restés là, mais qui avaient gardé une qualité de voyage, mais alors pour le coup, de voyage immobile. C'est toujours le paradoxe du théâtre, de savoir que les gens prennent le métro, le Vélib, le taxi, le bus, etc., viennent de loin pour s'asseoir et ne plus bouger pour voir des faux voyages, des faux road movies, alors que c'est eux qui se sont déplacés. C'est toujours une chose qui me fascine toujours. Mais ce que vous dites, ça me fait penser à la question de la scénographie appliquée à l'architecture, et je pense au travail qui a été fait à la fin de la guerre, à Nuremberg. Ah oui, vous avez parlé de ça. Et c'est... Il fallait trouver un lieu et construire un lieu pour le tribunal de Nuremberg pour juger les criminels de guerre nazis. Et donc c'est un jeune paysagiste américain du nom de Dan Kiley, Daniel Urban Kiley, il avait un nom assez prédestiné, et qui a été chargé de cette scénographie. Et il a d'abord pensé installer le tribunal dans un ancien opéra. Mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, il a construit de toutes pièces, en suivant la convention d'une salle de tribunal, en récupérant des matériaux, des briques, du contreplaqué, en achetant des matériaux au marché noir, dans une Allemagne totalement dévastée et défaite. Et là, il a installé deux longues tables sur le sol du tribunal, en disant les vainqueurs et les vaincus seront sur le même sol, posés de plein pied, les criminels et les autres, sur deux longues tables semblables. Et s'est posé la question de savoir comment on pouvait apporter les preuves des crimes commis. Et il a eu l'idée d'utiliser une technique qui était une technique de propagande du Troisième Reich, qui était la projection de films. Mais sauf que ces films étaient d'une nature bien différente. C'était des films qui montraient les camps de concentration. Et donc la preuve a été apportée par l'image, détournant complètement le sens qu'elle avait eu précédemment. Et pour la première fois dans un tribunal, introduisant l'image animée comme la preuve tangible pour tout le monde du crime. Et il avait, dans la commande qui lui avait été faite par les autorités américaines, l'idée que dans le décor, rien ne devait être remarquable d'une certaine façon. Tout devait s'effacer pour que ça soit le jugement qui deviennent véritablement la chose importante et non pas le décor à l'intérieur duquel il se serait tenu. Et voilà, quand on avait parlé de tout ça, je me suis dit que c'était un exemple qui me semblait très, très intéressant aussi de la notion d'effacement, c'est-à-dire comment
on peut volontairement en faire un peu moins. Absolument. Pour que quelque chose de plus important s'exprime. Pour autant, c'est de la mise en scène. Oui, c'est une mise en scène. Vous voyez comment on peut jouer avec la retenue. Mm-hmm. Le nom, là, ce n'est pas une non-parole, mais c'est presque un non-design, un refus du décor, mais qui est en même temps d'une force incroyable. Et c'est Jean-Louis Cohen qui raconte tout ça dans un livre tout à fait déterminant qui s'appelle « Architecture en uniforme » et qui raconte comment la guerre et la dernière guerre mondiale a complètement façonné notre monde. Je vais vous demander de lire un texte, Alexandre Chiametta. Oui, alors, je veux dire... Vous allez vous lever également. Je vais me lever. On avait dit qu'on bougerait, mais mettre je bouge pour moi. Et je voulais vous lire un texte qui est une description de Paris. Elle est écrite, et après je vous dirai qui a écrit ce texte. J'allais le dire. Entre la barrière d'Italie et celle de la Santé, sur le boulevard intérieur qui mène au Jardin des Plantes, il existe une perspective digne de ravir l'artiste ou le voyageur le plus blasé sur les jouissances de la vue. Si vous atteignez une légère éminence à partir de laquelle le boulevard ombragé par de grands arbres touffus tourne avec la grâce d'une allée forestière verte et silencieuse, vous voyez devant vous, à vos pieds, une vallée profonde peuplée de fabriques à demi villageoises, clairsemées de verdure, arrosées par des eaux brunes de la Bièvre ou des Gobelins. Sur le versant opposé, quelques milliers de toits pressés comme les têtes d'une foule recèlent les misères du faubourg Saint-Marceau. La magnifique coupole du Panthéon, le dôme terne et mélancolique du Val-de-Grâce, domine orgueilleusement toute une ville en amphithéâtre dont les gradins sont bizarrement dessinés par des rues tortueuses. De là, les proportions des deux monuments semblent gigantesques. Elles écrasent et les demeures frêles et les plus hauts peupliers du vallon. À gauche, l'observatoire, à travers les fenêtres et les galeries duquel le jour passe en produisant d'inexplicables fantaisies, apparaît comme un spectre noir et décharné. Puis, dans le lointain, l'élégante lanterne des Invalides flamboie entre les masses bleuâtres de Luxembourg et les tours grises de Saint-Sulpice. Vu de là, ces lignes architecturales sont mêlées à des feuillages, à des ombres, sont soumises au caprice d'un ciel qui change incessamment de couleur, de lumière ou d'aspect. Loin de vous, les édifices meublent les airs. Autour de vous serpentent des arbres ondoyants, des sentiers campagnards. Sur la droite, par une large découpure de ce singulier paysage, vous apercevez la longue nappe blanche du canal Saint-Martin, encadrée de pierres rougeâtres, parée de ses tilleuls bordés par les constructions vraiment romaines des greniers d'abondance. Là, sur le dernier plan, les vaporeuses collines de Belleville, chargées de maisons et de moulins, confondent leurs accidents avec ceux des nuages. Alors, c'est Honoré de Balzac dans La femme de 30 ans. Et c'est une description de la ville que je trouve absolument magnifique parce que, vous voyez bien, elle mêle tout. C'est-à-dire que les choses ne sont pas séparées comme elles le sont dans l'exercice de la transformation de la ville où bientôt seulement des spécialistes s'expriment. Là, on passe du dedans au dehors. Alors, il se trouve que en lisant récemment un livre d'Olivier Rollin qui s'appelle « Jusqu'à ce que mort s'en suive », il décrypte ce même endroit. Il dit « Il y a, au début de la quatrième partie de La femme de 30 ans, une description de Paris vue depuis un point situé entre la barrière d'Italie et celle de la Santé, qui correspond à l'actuelle station de métro Corvisart au pied de la butte aux Cailles. »
Donc on comprend que cette allée forestière qui tourne légèrement, c'est celle du boulevard Auguste Blanqui descendant en direction de la vallée de la Bièvre au niveau de la rue Vulpian. Et on comprend que cette description est vue un peu plus haut sur le boulevard Auguste Blanqui, en contrebas de l'école Estienne, et que le paysage qui s'offre au regard, c'est celui maintenant dissimulé par les immeubles, immeuble dans lequel il se trouve que j'ai passé une partie de mon enfance. Donc quand j'ai lu ce texte, je me suis souvenu très exactement de ce que je voyais par la fenêtre de chez moi, et que j'avais peint, effectivement, comme une représentation de la ville. Et je trouvais que ce... Voilà, là, comment dire, la littérature, les concordances en même temps entre Olivier Rollin qui revisite le Paris à partir d'une description de Victor Hugo et qui, au passage, cite Balzac et se repère par rapport à ce texte, ça m'a plu, je pensais que c'était bien que de le verser au dossier de cette soirée. On a trouvé que c'était bien aussi. Mais on dirait une longue didascalie de théâtre magnifique et vous la lisez merveilleusement. Vous allez recevoir une lettre de l'administrateur général, monsieur Chemontage. Pour un poste de pensionnaire, attention, hein, lisez bien le contrat. C'est un texte qui décrit aussi les rythmes et les creux et les bosses de la ville, bon, qui a été largement modifiée depuis, cette ville et ce quartier. Et non. Oui et non, parce que la Bièvre est toujours là, elle coule. Bien cachée. Oui, mais toujours un peu visible quand on est sur la rue Croulebarbe et qu'on voit en contrebas le square René Le Gall, destiné par Jean-Charles Moreux. On devine cette vallée. Alors, nous sommes des spécialistes du 13e arrondissement, mais ça n'est pas forcément le cas de tout le monde. Non, mais vous irez, il faut y aller. Allez vous promener à Croulebarbe, voilà. Il faut passer par là, descendre dans le square et s'imaginer la Bièvre coulant là, le long du mur du lycée Rodin. Ces modifications qui ont été faites par vos camarades et collègues, j'y tiens à mes modifications quand même. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on se promène dans ce quartier tel qu'il est décrit par Balzac, il faut quand même se figurer les choses avec beaucoup d'imagination pour retrouver ce qu'il décrit. C'est une responsabilité, modifier un paysage, un site, un bâtiment qu'on va couper en six, par exemple. Modifier une œuvre, l'adapter, la couper, la prendre et la taire, puisque c'est le principe de la pièce Le Silence. Voilà, donc on est dans le décor. C'est une responsabilité pour les artistes que vous êtes, les créateurs que vous êtes. Est-ce que c'est une responsabilité dont vous avez conscience? Est-ce que c'est une responsabilité que l'on vous rappelle ou qui se rappelle à vous? Est-ce que c'est une lourde responsabilité? C'est une responsabilité qu'on a tendance à, comment dire ça, diluer dans une, en la faisant reporter sur une multitude d'intervenants. Et je trouve que... C'est pudiquement dit. Je trouve intéressant de revendiquer cette responsabilité comme une responsabilité devant nos concitoyens, devant le monde. C'est une responsabilité de citoyen, oui, vis-à-vis, oui, des citoyens. Mais c'est-à-dire de se dire, oui, on peut être... Enfin, c'est la question, je m'engage dans un projet, et ce projet, je ne peux pas... Je dois l'adopter, d'une certaine façon. Enfin, l'adopter au sens où je le revendique, même si je n'en suis pas l'auteur. Je le revendique puisqu'il y a une commande. Je suis à un moment donné celui par lequel le projet existe. Je ne le fais pas tout seul. Je le fais avec une équipe. Je le fais avec un maître d'ouvrage, avec des entreprises, avec des conditions économiques, dans un moment. Ça, c'est tout sauf un travail solitaire. Vous disiez, c'est une troupe parce qu'on distribue les rôles aussi en fonction des nécessités des projets. Et pas seulement, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que... Mais j'ai envie de dire, et c'est une responsabilité
qu'on aimerait revendiquer plus fortement. C'est-à-dire non seulement comme étant un architecte, un paysagiste, un urbaniste reconnu, de renom. On utilise toujours cette expression, un architecte de renom, comme si c'était, je sais pas quoi, une ville de la... à côté de Nantes, entre Nantes et Rennes, enfin, vous voyez, un espèce d'endroit de Nice. Où sortiraient des architectes de renom, oui. Comme ça, qui on se dit, mais non, mais il suffit d'être juste architecte et d'assumer aussi ce que l'on fait, c'est-à-dire de le porter véritablement, non pas pour exister plus fortement que tout le monde, mais justement pour faire exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire pour être responsable de ce qu'on fabrique, quoi. Et c'est vrai que c'est une décision lourde de décider de transformer ces logements et de se dire que des gens peuvent y être bien. Et c'est, parfois, je me dis, mais oui, c'est une décision lourde, est-ce qu'elle est... Et on a envie de la revendiquer, effectivement, en prenant la mesure. C'est un point de départ qui est toujours curieux à observer quand des metteuses ou metteurs en scène partent du point de vue qu'ils doivent faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors qu'encore une fois, tout se passe dans cette boîte à chaussures dans laquelle tout a déjà été fait de toute façon. Donc c'est toujours un réflexe que je trouve suspect, parce que finalement la ça n'aboutit de pas à grand-chose ou ça aboutit à un lieu commun absolu. Mais ce sujet-là, moi, me fait penser... Je le dis d'autant plus que Florence Nogrette est dans la salle. Qui est Florence Nogrette? Alors, présentez-nous Florence. Universitaire, historienne du théâtre, de Molière, du romantisme, etc. Et qui fait partie du comité de lecture de la Comédie française. Et donc elle nous aide beaucoup parce que c'est elle qui a toute l'histoire de ça. Qui fait rentrer les textes au répertoire. Qui fait rentrer les textes au répertoire et les adaptations de textes, etc. À chaque fois, moi, j'ai toujours cette notion que je n'ai jamais réussi à résoudre, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est les notions de respect et d'irrespect. Parce que quelquefois, je m'aperçois que ne pas respecter un texte, c'est lui donner une vie nouvelle, et que quelquefois, le respecter à la virgule, surtout les virgules que l'autrice ou l'auteur n'a jamais écrites, est une sorte de respect qui n'est pas fertile du tout. Donc et à la Comédie française, on a un petit peu un poids historique sur les épaules. On ne peut pas se balader dans un couloir sans que nos grands aînés peints nous toisent du haut de leur cadre. Donc c'est pas facile de bouger à l'intérieur du costume. Et il m'intéresse toujours de faire en sorte que... Voilà, quand Ivo van Hove est venu, la première chose qu'il m'a demandé, c'est « Est-ce que je peux couper Molière ?» Il me disait « Est-ce que je peux couper la fin de Tartuffe ?» avec cet exempt qui arrive et qui, en gros, dit, comme Sganarelle, ce n'est pas à vous que je parle, c'est au maître que j'ai dit. Donc, comment on dit au public de l'époque que la charge qui vient d'être développée n'est pas pour ces gens-là, au contraire, ce n'est pas eux qui sont désignés. Donc, comme maintenant, le public ne prend plus cette charge-là, en tout cas, ne peut pas se sentir visé, le fait de pouvoir couper ces fins-là, qui étaient vraiment des circonstances, nous, on le sent, acteurs. On n'a jamais des fous rires aussi inextinguibles que dans les dernières scènes de Molière. Parce que le théâtre est fini. Parce que le sérieux qu'on a, parce qu'on porte le personnage ou le destin d'un personnage ou l'acuité d'une situation est passée. Et que Anselme arrive pour dire que des pirates avaient fait que truc et machin, etc. Et c'est des fins tellement en queue de poisson. Vous n'y arrivez pas, vous riez. Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui commence, parce qu'il n'y a plus rien qui nous retient. Donc les notions de respect et d'irrespect sur le répertoire sont très intéressantes, sur ce qu'on active ou ce qu'on désactive. Et que de temps en temps... Une fois, j'ai eu la chance de faire un spectacle sur une salle qui venait d'être restaurée et qui était à nouveau dédiée au spectacle vivant. C'était le salon d'honneur au Grand Palais. Là, quand vous êtes dans la grande verrière, il y a deux escaliers un peu Eiffel qui montent et derrière, il y a une salle magnifique qui fait 40 mètres sur 20 mètres sur 17 mètres de haut, une merveille absolue. Et donc, on m'a demandé d'y monter un spectacle, j'ai monté Peer Gynt. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait un plancher en chêne et on m'a dit « il ne faut surtout pas marcher ». Alors j'ai dit je suis censé faire du spectacle vivant, donc je n'ai pas demandé aux gens de mettre des patins. Et donc on a commencé à mettre du CP absolument partout pour protéger le sol. Du CP, qui c'est du lino Du contreplaqué. Oui.
du CP, qui n'était donc le sol en chêne magnifique, n'était plus à vue de personne. Et c'était impossible de mettre un tire-fond dans le sol ou de mettre une punaise sur les murs. Donc ça a coûté un argent dingue parce qu'il a fallu tout penser pour être autoportant, parce qu'on ne pouvait s'appuyer nulle part. Donc ça fait partie des... Voilà, on restaure un lieu pour une mission de le rendre vivant et en même temps, il est tellement... dans son sarcophage qu'on ne peut pas le toucher. Quelquefois, je trouve des contradictions tout à fait françaises là-dessus. Je ne sais pas si en architecture, vous avez la même chose, si, sur les espèces scéniques, j'imagine. Non, mais c'est-à-dire que quand le lieu prend le pas, oui. Enfin, le lieu lui-même prend le pas sur ce qu'il doit abriter, ça pose parfois un petit problème. Exactement ça. Et je pensais à une chose justement à ce propos, à propos du théâtre et de la ville. J'avais eu l'occasion de travailler à Saint-Étienne et d'accueillir dans la plaine Achille la Comédie qui avait été fondée par Jean Dasté. Et qui, dans un théâtre qui était le théâtre de la Tarentaise, enfin qui était dans le centre de Saint-Étienne, et il fallait faire des travaux. Et Arnaud Meunier, qui dirigeait le théâtre, et le maire de Saint-Étienne d'alors, qui s'appelait Maurice Vincent, avait souhaité que le théâtre déménage provisoirement pour se réinstaller dans la Tarentaise. Et quand ils m'ont raconté cette histoire, j'ai dit, mais peut-être... Et donc, ils sont venus me voir, puisque je m'occupais avec un établissement public d'État de la manufacture, l'ancienne manufacture d'armes, et puis de la plaine Achille, pour se dire, est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait accueillir le théâtre transitoirement, le temps qu'on fasse les travaux. Et... je vois bien de quoi vous parlez. Dans le lieu historique. Et donc... On a fini par convaincre tout le monde de faire qu'au lieu de faire deux fois le déménagement, le théâtre vienne s'installer dans une ancienne usine qui s'appelait la Société Stéphanoise de Construction Mécanique et qu'on avait au début visité un jour de pluie. La première fois, je rencontrais le maire de Saint-Étienne, Maurice Vincent. Son directeur de cabinet, c'était quelques mois avant, m'avait dit « En tout cas, on ne visite pas la SSCM. Et on n'en parlera pas, d'ailleurs. » Il se trouve qu'il faisait un temps absolument pourri et qu'au bout d'un certain temps, marchant dans la plaine et visitant sous la pluie, avec des, comme ça, plus ou moins protégés, on avait imaginé un petit stratagème, c'est de servir du chocolat chaud sous la halle de la SSCM. Et donc tout le monde a trouvé refuge dans cet endroit et a pu voir que depuis l'intérieur, c'était un lieu magnifique. Et sortant de cette promenade, le maire fait une conférence de presse en disant « Une chose est sûre, on fera quelque chose de cette ancienne usine et c'est l'identité même de Saint-Étienne que de trouver alliance entre la culture et l'usine, etc. » Et c'est comme ça que j'ai pas eu tellement de peine pour le convaincre de faire venir la Comédie dans cette usine. Ça tient un chocolat chaud. C'est la stratégie du chocolat chaud. Et alors, à ce point, je vais lire un deuxième texte de Jean Dasté. Qui est justement un texte de Jean Dasté qu'on avait publié avec Jean-Christophe Bailly dans le petit livre qu'on a fait et dont on a parlé, qui s'appelle « Changement à vue ». Et alors, voilà ce que dit Jean Dasté en 1955, à l'occasion des 10 ans de la Comédie de Saint-Étienne. Les villes, nous avons parlé de l'intérêt des petites villes de province assez isolées, situées en dehors des grandes voies de communication. Il y a aussi des cités ouvrières, et particulièrement celles qui prolongent Saint-Étienne à l'ouest par la vallée de l'Ondaine jusqu'à Firminy, à l'est par la vallée du Gier jusqu'à Rives-de-Gier. Le Gier se jette dans le Rhône, l'Ondaine dans la Loire. La Comédie joue dans toutes ces cités bordant les ruisseaux, dont les eaux étaient excellentes pour la trempe du fer et de l'acier, et où des forgerons vinrent s'installer il y a des siècles. Nous trouvons dans ces agglomérations,
un public aux semelles mineurs, ouvriers, artisans et commerçants. Et je trouve que, enfin, Jean d'Asté parle du théâtre. Mmh. En même temps, on pourrait transposer ce texte à la ville, mmh. à l'architecture, au projet de la transformation. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'on s'adresse aussi à des gens qu'on essaie de rassembler et qui ne se ressemblent pas. Voilà. Mmh. Mmh. Et je pense que c'est sans doute un trait commun mmh. du théâtre et de du projet de transformation de la ville. C'est pour ça que je ne m'explique pas du tout que ces deux domaines soient si éloignés des préoccupations de nos dirigeants. C'est-à-dire que je pense que c'est un enjeu essentiel et qui est, d'une certaine façon, qui semble très lointain, comme ça, mmh. Dans les discours officiels. Je ne me l'explique jamais. Vous dites l'un et l'autre que c'est... Oh, je m'entends bien. Faire société, c'est ce qu'on dit dans les médias culturels, faire société. Mais c'est cela dont il s'agit pour le théâtre et pour l'architecture, l'urbanisme, c'est-à-dire effectivement réunir des gens qui n'ont pas forcément grand-chose en commun et réussir à faire que... à créer un dialogue. Oui, si pour le théâtre, c'est une préoccupation contemporaine, parce que les théâtres à l'italienne n'étaient pas faits pour... que des gens... Les acteurs et le public. Oui, c'était la forme même des balcons était faite pour que les gens puissent se mirer, regarder qui était en face, et accessoirement, on regardait le spectacle, d'où le nombre de places dites en aveugle qu'il y a dans ce type d'architecture, qui en même temps sont des merveilles absolues pour la représentation. Mais effectivement, moi je me dis de plus en plus que le travail qui est fait par l'ensemble du théâtre public, et je crois que c'est des préoccupations des théâtres privés aussi, de ce qu'on appelle de diversité des publics. Il n'y a plus beaucoup de lieux maintenant où on est capable de s'asseoir les uns à côté des autres sans se choisir. Donc en venant de milieux sociaux, culturels, géographiques différents, d'âges très différents aussi, que nous acceptons d'éteindre nos téléphones portables, ce que ne font pas tous les officiels. J'ai vu un nombre de ministres scroller pendant les représentations assez important. Le seul que j'ai vu était Bernard Cazeneuve. Il était venu voir un spectacle, il a pris son téléphone, il l'a donné à son agent de sécurité. En lui disant, si jamais il y a une guerre mondiale, tu me déranges, mais sinon tu ne me déranges pas, je suis au théâtre. Voilà, et le fait d'accepter de se taire pendant 2 heures, de ne pas subir le micro-trottoir permanent dans lequel nous sommes, oui, il y a une vertu absolument formidable, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lieux qui permettent cette chose-là. Sans doute les manifestations politiques, ou d'une pancarte à l'autre, on peut discuter en ayant quelque chose en commun et en même temps des préoccupations, des âges, des origines très différentes, mais c'est une chose qui me passionne, moi, au théâtre, notamment une chose qui n'est jamais mise en avant. On parle beaucoup de diversité sociale, de couleur de peau, etc. Mais on parle très peu de diversité d'âge. Et moi, c'est toujours une chose qui me fascine, parce que je trouve que c'est une expérience qu'on peut faire en famille. Mais au-delà de la famille, on ne le fait jamais. Qu'un gamin de 15 ans puisse être à côté d'une personne de 80 ans, avec le sentiment que de l'un à l'autre, ben les rires et les sentiments et les émotions ne sont pas les mêmes. Donc comment, ou alors sont absolument les mêmes. Et puis, dans le fait d'être coincé dans un rang avant qu'on ne puisse en sortir, d'échanger poliment 2-3 mots, de s'échanger un programme. Dans la rue, c'est pas simple hein, qu'un gamin de 15 ans parle à quelqu'un de 80 ans. On est quand même très, très sectionné. Donc je trouve que... oui, socialement, c'est des lieux qui deviennent très importants pour ça. Parce qu'on a encore des codes, on accepte de ne pas choisir qui on accepte d'éteindre son portable, on accepte de ne pas commenter tout de suite, mais après. Et c'est des qualités qui deviennent assez rares. Je pense à une anecdote. C'est le moment. Non, mais j'étais un jour dans une ville américaine à Berkeley, sur le campus universitaire, un peu perdu. Et je vois passer une jeune femme et je lui dis, est-ce que vous pouvez me montrer ou m'indiquer où se trouve l'amphithéâtre que je cherchais? Et sa réponse était, vous n'avez pas de téléphone portable?
C'est-à-dire qu'en fait, elle pensait que c'était totalement incongru de s'adresser à quelqu'un dans la rue et que si j'avais été quelqu'un normalement civilisé, j'aurais tout de suite... À son GPS, évidemment. J'aurais tout de suite tapé sur mon portable. Voilà. Oh, mon Dieu. Mais je pensais à ce que, au-delà de cette plaisanterie, que c'est sur la question de l'engagement, au fond, parce que c'est une question qui occupait pas mal le monde il y a quelque temps, et l'engagement des intellectuels ou des artistes, etc., était compris comme un engagement politique. Mmh. C'est un engagement dans la politique, et de préférence, et sous-entendu, ou sur l'échiquier politique. C'est-à-dire avec des questions du type « y a-t-il une architecture de gauche ?» ou des choses comme ça. Donc on voit bien que tout ça est derrière nous et que les figures de l'engagement ont pris un tout autre sens. Mmh. Elles sont sans doute beaucoup plus proches de ce que vous venez de décrire à propos de des publics rassemblés dans un théâtre. Et elle se pose aussi de cette façon-là sur l'engagement d'un architecte dans la société d'aujourd'hui. Vous disiez pour faire société, bon, c'est pas, on ne peut pas tout à fait faire société, mais en tout cas pour faire des lieux réellement vivables et qui permettent aux gens de se retrouver. Comme ambition. Ce que vous dites, c'est que ça se situe, et pour l'un et pour l'autre, au niveau des signaux faibles, beaucoup plus que dans une forme de démonstration qui serait la scène politique. Ça n'exclut pas des grands gestes. D'essayer d'accéder à une forme de beauté, d'émotion, au contraire. Elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire, l'excellence est absolument nécessaire, mais il faut la convoquer là où elle permet de mettre les gens ensemble. Parfois c'est et moi le sentiment que j'ai quand je reviens sur les lieux, parce que on peut, c'est-à-dire c'est pas, on avait, si vous voulez, c'est par exemple, on inaugure un immeuble. Est-ce qu'on l'inaugure vide ou est-ce qu'on l'inaugure occupé? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un immeuble? Est-ce que c'est la Quelle est la finalité oui, d'un bâtiment? Oui, qu'est-ce qu'on voit dans les revues d'architecture? C'est des photos d'appartements vides, d'immeubles qui viennent d'être livrés. Il n'y a encore pas tout à fait d'habitants. On essuie des plâtres. Alors qu'en vérité, il faudrait pratiquement faire un reportage quelques années plus tard, quand... l'immeuble a un peu vieilli, les habitants l'ont un peu, se sont installés, ont transformé les lieux, ont installé le séjour dans le salon ou la salle à manger dans une chambre. Enfin, ont pris la liberté de s'installer, peut-être. Ils sont là, ils sont présents, on les voit, ils sont dans les cages d'escalier, les enfants jouent dans la cour. Et c'est comme ça qu'on a envie de voir les immeubles, de les voir vieillir, se transformer. C'est comme ça qu'on a envie de voir les espaces publics, de revenir suivre l'éléphant dans l'île de Nantes incognito. Raconter l'histoire de l'éléphant quand même, parce que la plupart d'entre vous, sans doute, connaissent cet éléphant, cette machine. Oui. C'était quand que l'on peut visiter à Nantes. Donc, le Royal de Luxe, c'est que vous avez, vous lui avez donné naissance à cet éléphant, en fait. Oui, oui. Non, parce que se poser la question à l'époque, on s'occupait de l'île de Nantes, au milieu de la ville, au bord de la Loire, mais qui était l'ancien lieu des chantiers, un peu en dehors de la ville, en tout cas. Et les gens m'interpellaient en disant, il faut qu'il y ait un phare, une sorte de, comme l'équivalent du Guggenheim de Bilbao, une sorte de, comme ça, un projet, un musée, que sais-je encore, pour symboliser la transformation de la ville, pour marquer l'ambition de ce lieu. Et il se trouve que le maire de Nantes de l'époque, Jean-Marc Ayrault, m'avait présenté deux personnes
François de la Rosière et Pierre Auréfis en me disant « Voyez-les parce qu'ils s'occupent de manèges, de choses, enfin ça peut être intéressant. » Et j'avais, et François de la Rosière était arrivé avec une photo de son atelier à l'époque à Toulouse. Et puis de là, on a commencé à imaginer que ce qui pouvait être ce monument, c'était justement pas un monument, mais un éléphant mécanique qui se promenerait dans l'île et qui ferait découvrir le paysage, qui prendrait la lumière d'une certaine façon, qui deviendrait le héros de cette sorte de transformation de la ville. Tout le monde suivrait l'éléphant, mais incidemment, suivant cet éléphant mécanique qui était fabriqué dans l'ancienne halle dans laquelle on fabriquait des bateaux, donc sur le chantier de construction navale, utilisant des techniques d'ailleurs assez proches. Et suivant cet éléphant aujourd'hui, les gens voient la ville se transformer. Mais ce n'est pas le monument d'une certaine façon, c'est le truchement. Oui, c'est cette machine, c'est cette espèce d'objet totalement incongru et imaginaire que les gens suivent, et suivant cet éléphant, ils découvrent la ville transformée et se l'approprient, c'est-à-dire qu'il devient l'espèce de médium finalement qui leur permet de se retrouver chez eux et de reconquérir cet espace. Et donc c'est ça que je trouve intéressant et ce qui correspond tout à fait à l'idée d'une sorte de jeu de rôle par rapport à la transformation. Vous pouvez toujours espérer que l'espace public va être au centre et que mais les gens ne vont pas venir visiter un espace public véritablement ou d'une façon tout à fait exceptionnelle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe qui permet de s'approprier quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu et qui n'a pas nécessairement besoin d'être aussi visible que ça et qui nécessite du temps pour être apprécié. Quoi. Et donc, voilà, l'éléphant est aussi un autre subterfuge qui permet d'entrer en sympathie avec un endroit et d'en voir les qualités même discrètes qui n'ont pas besoin de s'imposer comme des œuvres, au fond, un peu déplacées. Et donc, c'était une façon de jouer avec François de la Rosière, qui a créé cette... et qui continue d'ailleurs à créer des machines et des animaux, et qui voyage dans différentes villes d'Europe pour montrer tout ça. Mais ce qui est singulier à Nantes, c'est que l'éléphant rentre sous les nefs, qui étaient les anciennes nefs, qui ont été transformées, et que c'est réellement cet animal articulé qui nous invite à voir la ville autrement. Éric Ruff, vous m'aviez parlé aussi, Alexandre, de cette vue à Versailles où une flopée d'escaliers fait qu'on ne voit plus et qu'on redécouvre ensuite. Voilà, c'était ce qui a fait le nôtre avec le bassin de la Tonne. Oui. C'est-à-dire le jardin préexistait, et quand on montait vers le château, sans cesse, on voyait le château. Et l'idée qu'il a eue, c'est de faire un basculement de l'horizon qui fait qu'à un moment donné, dans la progression de la promenade, le château disparaît pour réapparaître. Et cette idée que ce paysage apparemment statique ne l'est pas du tout, parce qu'il faut le comprendre comme un mouvement, quoi. Et voir le château au loin, et puis tout d'un coup, il disparaît comme ça, et il réapparaît différent, parce qu'on l'a perdu de vue, on l'a vu dans le lointain, et puis on le revoit très proche, ou bien plus proche, et on le découvre en montant l'escalier, et tout ce mouvement-là est absolument extraordinaire. Voilà. Et ça fait... Voilà, c'est des moyens en même temps très... très sophistiqué et très simple à la fois, qu'on peut ne pas tout à fait voir. Mais c'est Louis XIV qui avait écrit ce texte qui s'appelle « Manière de visiter les jardins de Versailles » et qui décrit très exactement la manière dont il faut parcourir les jardins pour les comprendre. Je voulais rebondir
Il y a une chose qui me parle beaucoup dans votre regret que les inaugurations de bâtiments se fassent au moment où le temps n'a pas posé sa patine et que l'usage des gens n'est pas là. Alors il est vrai que nous, aux couturières et aux premières, qui sont les inaugurations des spectacles, le fait que, on sait pourquoi, hein, les gens importants viennent, la presse vient, etc., parce qu'on espère de bonnes critiques pour le succès public du spectacle, mais le spectacle est toujours photographié au moment où il sent la peinture. C'est exactement le même sentiment, et qu'on aimerait bien aussi pouvoir présenter le spectacle après la patine du temps, quand les acteurs ont cherché dans toutes les alvéoles du sens, etc., ils ont été absolument partout, et on sait que ben, quand on voit un spectacle à la 15e, il a gagné en complexité, il a gagné en profondeur. Et il y avait une autre chose qui m'avait passionné dans votre discussion, c'est que vous parliez de l'entretien des jardins. Et comment il faudrait presque inscrire dans les contrats comment s'entretiennent les jardins qui grandissent malgré nous. Comme vous entretenez un rôle, pardon, mais votre rôle de... le rôle de Lucrèce... Cette discussion m'avait fait penser à l'entretien des spectacles. Ou comment, effectivement, on fait en sorte que le spectacle continue à vivre, continue à être curieux, être singulier, comment le hic et nunc, le ici et maintenant, se cultive, pour le coup. Et j'ai souvent remarqué que certains metteurs en scène faisaient ce que j'appelle, alors c'est pas un terme musical, mais des fausses notes. C'est-à-dire font des notes, finalement, qu'ils ne pensent pas à l'acteur, pour que l'acteur se focalise sur quelque chose et puisse régénérer tout le reste. Parce que tout d'un coup, il détourne son attention, donc il y a de la vie qui peut rentrer dans une ordonnance qui s'est un petit peu serrée au bout d'un moment et un peu mécanisée. Donc je connais plein de metteurs en scène qui font des fausses notes. C'est-à-dire des fausses indications. Ils laissent, c'est juste pour dire, regarde là, et pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui se passe et qui se libère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est passionnant, cette idée, parce que je trouve qu'une des grands enjeux, au fond, de la ville, mais aussi des... évidemment des jardins, mais aussi des immeubles, de l'architecture, etc., c'est comment on y revient, finalement, et comment on s'occupe de ce qui est déjà là, et pas seulement des nouveautés, c'est-à-dire comme si on ne s'intéresse, au fond, qu'aux nouveautés, le plus souvent. Alors qu'en réalité, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est là et qu'il faut entretenir, faire vivre. Et on voit bien que cette idée de s'occuper de la manière dont les choses se bonifient ou s'usent, deviennent un peu patinées, n'ont pas tout à fait ne sont plus neuves au fond, mais qu'elles sont, elles portent la trace des choses, du temps, de la vie, et que cette idée-là nécessite aussi un soin, un entretien, c'est pas du tout à laisser aller, et c'est une façon de s'en occuper dans le temps, comme ça, comme une attention continuelle aux choses. Et c'est aussi une chose dont on est un tout petit peu coupé et qui est considérée comme presque un problème technique, alors que c'est un problème de toute première importance, quoi. De l'entretien on cultive harmonieusement notre environnement, quoi. Vous voyez, comme donné comme ça. Et je trouve que le parallèle avec l'idée de pièces de théâtre qui sont jouées et rejouées et qui... Il y a quelque chose qui est... On n'est pas dans un art de la première fois, mais aussi d'une forme de répétition, de rapport avec le temps qui passe et comment on fait avec ça, quoi. Alors, on peut se dire qu'il y a beaucoup de nostalgie là-dedans, ou au contraire, qu'il y a beaucoup d'espérance, en fait, dans l'idée que c'est peut-être là que ça se passe, quoi, notre question. On doit conclure. On doit conclure. Pour conclure, Éric Ruff, on a zappé un certain nombre de textes, mais dernier. Ah. Vous voulez le présenter ? Oui, c'est un texte de Richard Peduzzi. Grand scénographe.
immense scénographe de Patrice Chéreau et de Luc Bondy, notamment, voilà, qui a écrit ses mémoires. Enfin, plusieurs fois, il a fait 2 ou 3 livres. Il a une plume absolument magnifique. Et voilà, il parle de son enfance et de son métier. Et je me disais que ça pouvait conclure assez joliment notre rencontre. Il parle de son enfance. C'était une grande salle divisée en 3 espaces. L'un réservé aux visiteurs, l'un pour les détenus, et au centre, entre 2 grillages, les gardiennes. Elle regardait l'assistance. Une sœur vêtue de gris était assise avec elle, un livre de messe ouvert sur ses genoux. Puis les détenus sont arrivés comme une volée d'oiseaux. Encore une fois, des rires, des cris de joie, des pleurs. Très loin, de l'autre côté, j'ai tout de suite, parmi les autres femmes, vu et reconnu ma mère. Elle était magnifique. Elle s'est précipitée vers nous, puis freinée par le grillage, elle nous a regardés, ma grand-mère et moi, en souriant. Son visage était tendu, ses yeux brillaient, un sourire de tristesse accentuait son étrange beauté. La visite durait 1 heure. Pendant cette heure, nous avons très peu parlé, ma grand-mère posait des questions, ma mère, sur le même ton monocorde, lui répondait, me regardant. Je n'avais plus peur de la voir, je voulais la garder, qu'elle me serre dans ses bras, je voulais repartir avec elle. Ingrat, je l'aurais bien échangé contre ma grand-mère. Une sonnerie métallique annonça la fin de la visite. Ma mère commençait à s'éloigner avec ses camarades détenus. Elle nous tournait le dos, j'éclatais en sanglots, j'avais la sensation de ne plus exister. 1 ou 2 têtes se sont soudain retournées, dont la sienne. Elle nous envoyait des baisers de la main et s'écria « N'aie pas peur, nous nous reverrons là-bas. » Où là-bas ? Là-bas, c'est dehors. Ce jour-là, je n'ai plus revu son visage. Dans une dernière bousculade suivie d'éclats de rire, les détenus ont disparu en chahutant dans la lumière blanchâtre des couloirs qui les conduisaient à nouveau vers l'isolement de leurs cellules. Je reverrai toujours ce voyage, ce dédale de hautes murailles aveugles qu'il fallait franchir avant d'apercevoir ma mère derrière des barreaux. J'entends encore ces mots prononcés d'une voix étranglée au moment de notre départ. Là-bas, c'est dehors. Depuis, je me sens partout à l'étroit, hanté par la terreur de l'enfermement, celle d'être coincé dans une impasse, prise au piège, emmuré entre ciel et terre. En 1973, Patrice Chéreau mettait en scène de façon lumineuse la dispute de Marivaux. Le décor était un lieu insituable, méconnu, dont il est impossible de fuir. Dressé à la même terre, à l'orée d'une forêt profonde, de grands murs blancs installés sur des rails se refermaient comme des tenailles sur les habitants de ces lieux étranges. Dans cet univers carcéral, au milieu des odeurs et des bruits de la nature, de l'eau stagnante des étangs, du bruissement des feuilles et des pas sur la terre brune, sèche ou humide par endroits, les personnages innocents, traqués par des regards mystérieux, cherchaient à se comprendre et à se découvrir. À la fin du spectacle, j'ai rejoint des amis dans la salle. Le rideau était resté ouvert et l'on apercevait le décor immobile, sans lumière, sans vie. Les acteurs étaient partis, les gens qui se trouvaient là parlaient entre eux tout en tournant la tête vers la scène. Les murs étaient rangés de part et d'autre, au lointain, dans un éclairage de service, on distinguait la forêt. Une petite fille est venue vers moi, elle devait avoir 7 ans. Elle s'est approchée et m'a interrogé sur le spectacle, les sons, les acteurs, les lumières. Ses questions étaient graves et profondes, le spectacle l'avait visiblement touchée. Elle voulait comprendre quel était cet endroit et timidement, en me montrant les murs, m'a posé cette question. Ça, c'est une prison ? Puis, en m'indiquant le côté la forêt du doigt, elle m'a fait le plus beau compliment qu'on ne m'ait jamais fait sur mon travail. Là-bas, c'est dehors ? Merci.